Nouvelle réception manga, et c'est parti. On commence par Pumpkin Night, édité chez Mangetsu, idéal pour la saison. J'adore la couverture et l'effet citrouille. On est sur un titre pour public averti qui se voudra plutôt horrifique, et j'avoue, je suis hyper curieuse de le découvrir. Je suis déjà très convaincue par la direction artistique, donc à voir par la suite. De chez Mangetsu également, j'ai reçu le troisième et avant-dernier tome de The Tunnel, Tout se meurt en fonction de la fin. Je pense que ce titre pourrait être un gros coup de cœur. Je suis aussi très curieuse de découvrir le film parce que vraiment, pour le moment, ce titre est mystérieux, énigmatique et me plaît beaucoup, en plus d'avoir des personnages super intéressants. On passe chez Mana Books avec les deux premiers tomes du titre Les Carnets de l'Apothicaire, mais là ce sera Enquête à la cour. Le second tome venait avec un furoshiki comme ça offert. Un titre qui ne veut pas vraiment concurrencer Kiyun, parce que Kiyun et Mana appartiennent au même groupe, mais un titre qui se voudra plus proche du light novel et donc plus proche de l'histoire de base, vu que de base Les Carnets de l'Apothicaire c'est un roman. J'avoue que je suis très curieuse de le découvrir parce que j'aime beaucoup le roman et j'aime plus le roman que le manga, avec j'avais un petit dépliant comme ça de présentation très très chouette qui nous présente donc cette nouvelle édition. De la part de Kotoon, j'ai reçu le troisième tome de Seule la mort attend la vilaine. J'aime particulièrement ce webtoon grâce à son personnage principal qui est vraiment super original. J'aime beaucoup beaucoup ce titre et j'avais hâte de lire ce tome avec, j'ai eu un cadeau, ces deux très jolis marque-pages. Avons-nous des lectures en commun? Est-ce que certains de ces titres vous tentent?